On les voit tout à l'heure, les hommes là. Les femmes ne nous parleront pas. Elles ne parleront pas. Il n'y a que vous qui parlez français là? Oui. Oui? Juste moi. Oui. Pourquoi vous aviez appris le français avant? Parce que moi j'ai parti l'école. Parce que? J'ai parti l'école tous les jours. D'accord. Pourquoi vous ne restez pas en Roumanie? Parce que c'est très difficile. Il a dit, il fait du crise la Roumanie. Il... Disponibiliser, c'est tout. D'accord. Oui, mais ici, c'est pas mieux. Vous vivez mieux ici qu'en Roumanie, là, comme ça? Oui. Moi, ce que j'attends ici, c'est de dire la vérité sur ce qui se passe. Là, vous avez la conséquence d'une France sans frontières, vous avez la conséquence de la démagogie, de la faux générosité. Il y a des gens très honnêtes ici, puis il y a beaucoup de malhonnêtes. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'État ici. C'est une zone de non-droit. Ça veut dire quoi? Des arrestations déjà. Donc c'est heureusement qu'il y en a. C'est complètement une zone de non-droit. Il a fallu monter une opération de police assez compliquée pour venir réaliser cette opération. Tout le monde sait, il y a heureusement encore un État, mais qui intervient de manière sporadique. Mais là, visiblement, tout le monde sait. Il y a des policiers qui nous suivent, il n'y a pas de problème particulier. Bah, encore heureux. Non mais attendez, encore heureux. Mais la question, ce n'est pas ça, c'est le trafic. Il faut savoir quand même ce qui se passe, c'est que, un, personne ne respecte les règles de droit du travail. On peut accepter un certain nombre de personnes sur notre sol, mais on doit les sélectionner comme tous les pays du monde. Et il n'y a aucune raison de donner des permis de travail à ceux qui ne respectent pas les lois. L'État défend les délinquants, les voyous. Ce problème est un problème qui dépasse les communes, c'est un problème qui est effectivement national, c'est un problème qui concerne la Roumanie. C'est un problème qui a aussi un coût. Il faut prendre le problème par le bout, c'est-à-dire par son origine. Les cambriolages, on voit qu'il est fait. Quand vous avez des enfants de 11 ans ou de 8 ans qui cambriolent, ils viennent d'où? Je ne dis pas que c'est obligatoirement ceux-là, mais ils viennent bien de quelque part. Nous avons fait ici avec la police municipale un certain nombre de flagrants délits qu'on a transmis au procureur de la République. Tous n'ont pas été identifiés, mais leur physique a bien été décrit. Il se produit ici un trafic entre 2h et 4h du matin, de camionnettes qui stationnent sur la bande d'arrêt d'urgence et qui font des transferts de matériaux de toute nature, entre autres. Cela a été noté et signalé par la CRS5. Nous avons aussi des problèmes de salubrité d'hygiène, vous l'avez vu, c'est évident. Il n'y a aucun réseau d'eau usée, aucune salubrité. Et puis il y a aussi le nombre de véhicules que vous voyez, de carburant, de bouteilles de gaz, qui en cas d'incendie vont être épouvantables. Parce qu'il faut attendre qu'il y ait des victimes pour pouvoir agir et faire arrêter ce genre de situation, ça va grandir. Il n'y a pas de fatalité, simplement, on n'est même pas capable d'accueillir nos enfants français ou étrangers. J'ai 47 nationalités à Vigneux. Vous savez, les premiers qui sont hostiles, c'est ceux qui font l'effort de s'intégrer sur notre sol et qui sont écœurés vraiment. Venez faire un petit reportage là-bas, vous verrez les réactions des gens qui sont bien pires que tout ce qu'on peut imaginer. Et nous modérons la population. Oui, s'il avait été de mon groupe politique, on aurait pu comprendre que je fasse appel à un député de mon groupe politique. Non, je suis républicain, vous voyez, donc... Oui, alors pourquoi, justement? Justement, parce que c'est le seul écho que j'ai pu obtenir. C'est ça. Vous avez l'impression que chez les républicains, il n'y a pas eu d'écho. Man, ordre si vous désormais que vidéo, ordre.